Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Synfiles pour une vidéo qui est un redécoupage d'une partie de live, un live que j'avais tenu le 10 décembre 2022. Il s'agit d'une réponse et d'un commentaire sur une vidéo YouTube qui parle du YouTube Cinéma Game qui s'intitulait « Le problème avec le YouTube Ciné » qui est une vidéo présente sur la chaîne Bolchegeek, une vidéo que vous aurez dans la description de la mienne, une vidéo qui avait été publiée le 27 novembre 2022. J'avais envie de revenir sur cette vidéo, donc c'était pendant ma FAQ annuelle, parce que il y avait des choses avec lesquelles je n'étais vraiment pas d'accord, des choses un peu passées sous silence, des choses vraies également et évidentes, tellement évidentes que je ne suis pas revenu dessus. Il y a des questions primordiales, essentielles vis-à-vis de créateurs de contenu sur le cinéma, sur YouTube, qui n'étaient pas évoquées, bizarrement évoquées, qui étaient fausses dans cette vidéo. Ce qui m'a permis aussi de placer mon propre rapport aux dynamiques de sa vidéo à lui, à Bolchegeek. Et donc, après une longue prise de notes, eh bien, j'ai pris la parole en live le 10 décembre, et là j'ai préféré bien isoler en fait cette réponse, cette longue réponse, vous avez vu la vidéo, pour en faire une vidéo à part, peut-être pour mettre un peu plus en valeur ce que j'ai dit, plutôt que la noyer dans des heures et des heures de FAQ. Comme vous me connaissez, chaque année c'est un petit peu la même chose. Ne vous étonnez pas si à la fin de la vidéo ça coupe net, pas parce que les questions s'enchaînaient après et je revenais sur une FAQ un peu plus classique. Mais je voulais aussi peut-être redécouper ce fragment et le sortir de la FAQ pour faire une vidéo à part, pour attirer votre attention et voir aussi un petit peu ce que vous en pensez de tout cela. Si voilà, tout ça vous intéresse ou non, si vous êtes vous-même créateur et que vous vous posez des questions, que vous n'avez peut-être pas eu des choses intéressantes chez Bolchegeek ou qu'au contraire, ça vous a conforté dans certaines idées, mais n'hésitez pas justement, qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été évoquées ou mal évoquées, n'hésitez pas à poster des commentaires. Pour le coup, je serais intéressé de dialoguer avec vous sur ce sujet que je vis depuis maintenant plus de 11 ans. Je vous remercie et je vous laisse avec ce commentaire sans plus attendre. À bientôt. Je vais enchaîner tout de suite avec un sujet moi qui m'a touché. Alors, ce n'est pas une question de l'un d'entre vous. Sur quelque chose qui m'a aussi, puisque je vous parlais de frustration dès le départ du live, et bien là nous avons continué sur une autre frustration, voire même sur quelque chose qui m'a irrité, c'est une vidéo sur YouTube parlant du YouTube cinéma, une vidéo qui a été postée par la chaîne Bolchegeek, une chaîne YouTube qui fait... J'ai pas envie de dire de la vulgarisation, c'est absolument pas ça, mais qui parle de différents sujets avec une orientation politique, on pourrait dire. Mais c'est pas forcément ça à chaque fois, mais c'est voilà, il y a une espèce de petite sauce rouge, on va dire, qui est mise un petit peu sur tout type d'événements ou de films ou voilà. Bon, la première question que je me suis posée, c'est à qui s'adresse cette vidéo ? À uniquement les gens de sa chaîne, à des gens plus larges ? Je veux dire par là que quand il commence sa vidéo, il amorce l'idée qu'il y a des gens qui galèrent à trouver un filon. Voilà, un filon qui serait le filon du succès pour avoir des vues, pour être connu sur YouTube. Mais je pense pas qu'il faille commencer tout de suite en mettant en avant, quand on fait de la création sur YouTube, le filon à récupérer. Il s'agit d'abord d'une expression personnelle. On se sent obligé d'exprimer... ce qu'on a envie et de la façon dont on a envie, quelque chose, une forme, une façon de s'exprimer et aussi artistiquement, quelque chose sur YouTube. Ça n'a rien à voir avec trouver un filon. Ça, c'est les gens qui font des chaînes sur YouTube en mode business plan, hein. Ça n'a rien à voir avec des gens qui veulent faire de la critique ou parler de cinéma. Il y a des gens qui n'en ont rien à foutre de trouver un filon. Comme ce qui semble être pour eux la bonne voie, ou quelque chose en tout cas qui leur plaît, et voient après avec les problèmes de la plateforme même, et voient après, bah, ils laissent couler, quoi. Ne serait-ce que pour un petit cercle d'initiés. Donc, dans un sens,
Je trouve qu'il commence très mal la vidéo, dès les premières minutes il part d'emblée du fait qu'on serait tous enclins à être les esclaves d'un système à 100%, c'est-à-dire de chercher ce que le système souhaiterait, donc le système YouTube, ce que le système souhaiterait de notre part, ce qui n'est pas le cas. En tout cas, je devrais le formuler, et là ça revient quand même à ce que je suis, moi, un vieux loup dans une caverne. Ce n'était absolument pas le cas à l'époque. À l'époque, on se posait même pas la question si on allait réussir à gagner des sous avec. Hein. Donc bon, là, on sent que c'est quelqu'un de 2022 qui se pose la question, mais à une certaine époque où il y avait justement des gens qui étaient assez importants. Certains ont disparu, hein, mais il commençait à y avoir une petite sphère de YouTube. On était content si on nous lisait ou si on nous regardait et si on avait des commentaires, mais gagner de l'argent, c'était un peu nébuleux. Maintenant, il y a moyen quand même de se dégager un mini salaire, voire plus si on étend un peu ses activités avec d'autres sites. Mais l'idée de business plan, et je pense que l'exemple, alors lui il se défend de citer des gens parce que c'est sûrement un lâche, parce qu'il veut pas se prendre des boulets de canon un peu partout sur le corps au bout de sa vidéo. Alors, moi je vais pas hésiter à citer les gens. Je pense qu'à Reggie le Gorilla est un excellent exemple parce que c'est quelqu'un qui est très très ancien sur YouTube, et il a commencé comme tout le monde à faire des petites vidéos dans sa chambre. Je me rappelais de critiques de Prometheus. Donc Prometheus, c'est quoi? C'est 2012. Il était tout jeune, il galérait aussi à trouver ses mots. Il galérait pas à trouver un filon, mais il galérait à trouver ses mots pour définir un film, c'est-à-dire un truc très très simple en fait, et presque simple et sain. On cherche ses mots pour qualifier un film. Est-ce qu'on a aimé, est-ce qu'on a aimé, pas aimé? On essaye de poser un petit peu les bases de son ressenti, mais lui, il n'a jamais arrêté, et maintenant, c'est devenu le business plan, en faisant des recherches. Au moment où il a commencé à regarder les autres et à voir ce qui marchait pour faire une formule qui soit proche, ce qu'il se disait influencé d'un Américain, je ne sais plus, celui qui fait des critiques sur fond rouge, là, je sais plus, Watts, ou je sais même plus le nom. Enfin bon, quelqu'un que j'ai pas trouvé sans sas quand il parlait de cinéma, mais c'est même pas à parler de cinéma, là, c'est des phrases d'accroche. On dirait Hébert et Siskel dans leur mauvais jour à la télé. Mais lui, il a changé de fusil d'épaule, en fait. Il a vu l'opportunité de faire du flux. On reviendra sur cette notion de flux, je pense. Et il l'a saisi pour après créer un business plan. Mais de base, ce n'était pas le cas. La question aussi qu'il ne pose pas dans sa vidéo, et ça c'est une question qui est bien sûr théorique mais aussi intellectuelle, et il est clair qu'il manque de poser la question de l'intellect et de l'intelligence de penser, parce que ça pense pas beaucoup sur YouTube, hein, malheureusement. Il y a quelques chaînes qui pensent, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est à quoi on sert ? À aucun moment il se pose la question, parce que si on devait se poser la question, on se rendrait compte qu'il y a des gens qui ne servent pas à grand chose et d'autres qui pourraient servir, voire même servir un petit peu mieux à quelque chose. Mais ça, par contre, ça nécessite de tirer un petit peu sur des gens, et ça il ne veut pas le faire, parce qu'il faut se couvrir, bien sûr. Alors moi je suis pas très important, donc à la limite je peux tirer sur les gens, je m'en fous complètement. Mais oui, à quoi on sert? Qu'est-ce qu'on cherche à faire à part se faire plaisir soi-même avec des petites vidéos? On cherche quoi? On cherche la gloire? On cherche à étendre son propos parce qu'on considère que son propos est très important à diffuser? Est-ce qu'on a vraiment de l'impact? Est-ce qu'on cherche à avoir de l'impact? Non, mais je vais pas te tirer dessus, mais je vais y prendre un exemple. En fait, c'est déjà ce dont se moquait la position de Bolchegeek vis-à-vis de citer des gens, puisqu'il commençait quand même sa vidéo avec « on va tirer à balles réelles », et en fait, t'as un générique qui commence, et en fait, il dit non. Ben si, en fait, à un moment, il faut aussi dire, il faut dire les termes, en quelque sorte. Donc, oui, je disais, à quoi on sert, quelles questions on peut se poser avant de faire de la création, et pourquoi on fait tout ça, surtout qu'il y en a qui se font vraiment chier, hein, pour je pense à la séance de Marty qui se fait vraiment chier pour livrer une vidéo, mais c'est pourquoi, parce que lui l'avis n'est pas forcément très pertinent, hein. Donc c'est pour s'entraîner à la vidéo et le partager aux gens comme ça,
ou si c'est pour alerter l'opinion publique de quelque chose. La question de à quoi on sert, c'est pas une question qui s'est posée. Il pourrait simplement se la poser pour lui, mettre ça comme ça en avant dans la vidéo. Donc voilà, moi, pour moi, pourquoi je fais tout ça, bien parce que je considère que souvent on parle de certaines choses seulement sous cet angle-là et jamais cette question-là n'a été abordée. Ben voilà, c'est donc quelqu'un qui veut essayer de prendre des angles différents pour aborder des sujets que tout le monde connaît mais d'une autre façon. Ben voilà, ça sert à quelque chose. Il y en a, je pense, qui ne se posent même pas la question. Et je dis une question qui est au-delà de se faire du pognon ou se faire de la célébrité. Vraiment une question, tu parles d'art, tu parles pas, tu fais de la cuisine, faire de la cuisine, mais tu fais pas des leçons de plomberie, quoi. Tu parles d'art, donc pourquoi? Et en cela, bien sûr, ça ramènerait directement à la question de l'intellect. Comment t'en parles? C'est-à-dire, est-ce que tu fais des réflexions construites et pertinentes, ou tu fais des lieux communs pour des gens qui ont peu d'expérience sur YouTube? À part, justement, de la part d'une personne qui est dans sa tour d'ivoire. Et la tour d'ivoire, moi, je l'ai un petit peu ressenti, parce qu'il y a des choses qu'il n'évoque pas, qui sont, je pense, un peu la base de beaucoup de YouTubeurs, en tout cas sur des questionnements, simplement pour créer une vidéo. Il n'évoque absolument pas les droits d'auteur des films et le scan de YouTube. En aucun cas, sur une heure de vidéo. Ou alors, s'il l'évoque, je vous prierai de me donner le timecode précis de la vidéo, parce que moi, je l'ai pas entendu, ce mot, hein. Et droit d'auteur, c'est quand tu parles d'art de cinéma sur YouTube, c'est un truc qu'il faut quand même l'évoquer. Parce que ça cloisonne les possibilités de création. Ça met en danger des chaînes qui veulent prendre des risques. C'est nécessaire d'en parler. Moi, ça contraint des formats de vidéos, ça contraint à faire du facecam. C'est un truc très important, les droits d'auteur. C'est ce qui verrouille, en fait, de la créativité sur YouTube. Et lui, il n'a pas du tout mis ça en avant. L'idée de la création et de l'intellect déployé pour faire des vidéos, donc pour construire un propos qui va parler de film, ça, non, ça ne l'intéresse pas du tout. Alors que c'est, quand tu fais des vidéos sur le cinéma, c'est la première chose. C'est comment tu vas parler des films. Et ça, bien sûr, il ne l'évoque pas. Il reste sur sa tour d'ivoire, à citer d'autres personnes dans des tours d'ivoire. Et je crois qu'il n'y a qu'une seule chaîne, sur une heure de vidéo, hein, il n'y a qu'une seule chaîne qui a moins de 10K, hein. C'est Welcome to the Primetime Beach. Hein. Tout le reste, c'est des... Il parle pas de petits youtubeurs. Et il y en a beaucoup plus que des gros ou des gens qui ont plus de 10K. Hein. Mais ça, non, il n'en parle pas. Si je devais continuer avant de refermer la parenthèse, c'est quelqu'un qui a sa chaîne, semble-t-il, depuis 2013. Je pense qu'il consomme des vidéos depuis plus longtemps encore sur YouTube. Il aurait dû, en fait, si la vidéo dure une heure, il aurait pu exploser les frontières et partir sur des vidéos de 3 heures. Par exemple, s'il voulait vraiment faire un tableau complet, il aurait peut-être dû donner la parole ou essayer de trouver des paroles de petits youtubeurs, moyens youtubeurs, gros youtubeurs, pour voir un peu quels sont les conflits et les choses qui sont importantes pour les trois strates. Faire une espèce de sondage, ouais, auprès de quelques tout petits youtubeurs, des moyens et des grands. Je pense que les gros youtubeurs sont nécessaires pour moi et sont la première marche pour atteindre une meilleure compréhension d'un art qui n'est pas une passion pour les gens comme moi. XIS3, je suis d'accord sur le principe, je suis d'accord, hein. Mais si ces grands youtubeurs ne font pas leur travail, ou le font mal, je trouve que c'est plutôt compliqué après de... c'est presque au moins youtubeur de rattraper le coup. Il y a un temps, Durandal faisait un peu plus qu'une vidéo par semaine. Maintenant, c'est une vidéo par semaine sur le gros truc bien matraqué par les studios et par la grosse promotion qu'il sort sur la semaine même. Hein. C'est plus du tout de l'ouverture au monde. Hein. C'est pas du tout de l'ouverture au cinéma maintenant ce qu'il fait. Donc une compréhension de l'art, pas lui, hein. Donc ça fait déjà un de moins. Bon, le It's a Panda, je crois qu'on va pas le voir pendant un moment. Le Fosseur, je crois qu'il va vraiment passer à autre chose, on va plus vraiment le voir. Donc à partir de là, la compréhension de l'art, il faut que tu ailles chercher ailleurs. Donc les gros ont une responsabilité, et par gros, on entend ceux qui peuvent, fédérer un max de gens autour d'eux. Ceux qui ont du poids médiatique. Voilà, je pense que par gros, tu souhaitais peut-être évoquer ce type de créateurs de contenu sur YouTube. Ceux qui quand ils envoient une vidéo,
il y a 35, 40 000, 50 000 vues dans la journée, voire plus. Voilà, il faut bien se rendre compte que là, ceux qui sont censés faire de la compréhension de l'art, c'est ceux justement qui font des flux qui sont à l'opposé de la compréhension de l'art. Après, il y a le public qui vieillit sur YouTube. Hein. Je ne sais plus qui avait dit ça, mais je crois déjà que Bullshit Geek l'avait évoqué, l'idée de l'âge. Sur Twitch et tout ça, les gens ne sont pas dupes. Hein. Il y a la génération qui a connu le tout début d'Internet qui commence vraiment à devenir maintenant des actifs, un petit peu plus vieux. Et du coup, les demandes sont autres. Hein. Et sur YouTube, il est clair que ce n'est pas les TikTokers qui vont y rester très longtemps. Mais ça, encore une fois, c'est les TikTokers vont en avoir marre et à un moment, ils vont switcher aussi sur autre chose, hein, donc sur des formats plus longs. Donc, la question aussi de se demander à quoi on sert en tant que gros YouTuber, bah, vous êtes là aussi. Enfin, vous êtes là. Les gros YouTubers sont aussi là pour médiatiser peut-être ce qui n'est pas médiatisable comme ça d'un coup, ou alors faire une sorte de compromis, c'est-à-dire, voilà, dans la semaine, bah, c'est lui fait ça à plein temps, à plein poumon, mais Valentin Bréheré, alors lui, je sais pas comment il fait pour pas avoir de burn-out, mais... c'est quand même une chaîne, voilà, qui a, je crois, entre 15 000 et 20 000 abonnés, voire plus. Je suis plus allé voir depuis, parce que bon, moi, je suis pas forcément d'accord avec la façon dont il parle, mais par contre, en termes de logistique de production, de discipline et de volonté, Valentin Bréheré fait un panel de beaucoup de films qui sortent dans la semaine, et des petits films comme des gros films. Et ça, c'est, je pense, ce qu'on pourrait attendre d'un YouTuber qui se dédie entièrement, c'est-à-dire qu'il gagne sa vie avec YouTube, c'est de faire ce genre de choses. Alors c'est, par contre, ça prend un temps monumental, mais quand on aime le cinéma, on est prêt à le faire. Alors il y en a qui, je pense, aiment plus l'argent que le cinéma, donc ils font le gros machin sur Wakanda Forever ou je sais trop quoi, et le film d'horreur, la Smile ou je sais pas quoi, et hop, ça te fait les vues pour la semaine. Je prends ces titres au hasard parce qu'ils me viennent comme ça, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Hein. Mais par contre, une ressortie d'un vieux film, d'un vieux film comme ça, parce que voilà, le mec est sur Paris, il a l'occasion d'être dans des cinémas qui projettent d'autres films, ou voilà, un petit film indépendant de temps en temps, bah, tu les vois jamais, quoi. En plus, maintenant, avec les différentes plateformes et tout ça, les tentations de ne pas tenter justement des petits films et d'aller sur la série du moment où sont encore plus grandes. Je trouve ça très dommageable. Et là, on parle d'une... Encore une fois, là, on parle de l'intellect qu'on veut mettre dedans ou non. Je ne parle absolument pas de questions de flux. Et ça, c'est littéralement vraiment parler du cinéma, du YouTube cinéma, quoi. C'est qu'est-ce qui se passe là-dedans. Mais vraiment, toute la dynamique de... Qu'est-ce qui est montré, qu'est-ce qui est mis en avant comme titre? Est-ce que justement ces gens qui font des flux sont capables de faire autre chose? Ça, bon, bien sûr, il ne peut pas l'évoquer parce qu'il n'est pas dans leur tête. De même que moi, je ne peux pas aller plus loin que ça parce que je ne suis pas dans la tête des gens qui font des flux. Mais dans la façon dont ils parlent de cinéma quand ils font des vidéos, moi, je m'interroge sérieusement sur leur capacité de parler de films un peu plus austères. Est-ce qu'ils s'en seraient capables? Ou simplement, je ne me demande même pas à sortir des grandes théories, mais juste à se poser quelques questions élémentaires sur du ressenti, sur tout simplement voir ce qui se passe à l'écran. Certains ne donnent pas leur vie à YouTube, ils ont un métier à côté. C'est mon cas, même si mon métier est proche de ce que je peux faire sur YouTube. Il y en a qui sont complètement... à part et qui voit YouTube comme ça, comme une sorte d'amusement, et qui finalement regarde aussi les vidéos comme une sorte d'amusement. Donc il faut être amuseur plutôt que critique, ce qui en revient aussi à fustiger le travail de critique en le considérant comme étant un critique aigri, déconnecté de la réalité. Et à ce moment-là, dans la vidéo, il met l'extrait de Ratatouille par rapport à YouTube. Bien sûr, le rapport avec YouTube et le critique qui est extérieur à tout ça. Sauf que pour les gens qui ont vu Ratatouille, ils savent très bien que ce critique culinaire dans Ratatouille, eh bien, il a une vie entière, une vie passée entière dédiée à la critique culinaire. Est-ce que les jeunes sur YouTube qui font leurs petites vidéos comme ça de flux, de petits avis, que ça soit...
Durandal ou Clapman ou Popcorn, le Captain Popcorn ou tout, ou Dirty Tommy ou je sais trop qui, est-ce que ces gens vont dédier leur vie entière au cinéma ou à la pop culture matraquée? Là aussi, il y a maintenant une différence qui est notable mais que les gens ne veulent pas différencier. La pop culture matraquée, c'est-à-dire vraiment, vous voyez ce que je veux dire par là, pop culture, ça veut même pas dire la culture populaire, quoi. Maintenant, ça veut dire les super-héros et les séries tendances, quoi. Voilà ce que ça veut dire. C'est quand même malheureux, hein. Certains ont décidé d'en vivre. Je crois que Dirty Tommy en vit, donc il doit générer quelque chose d'assez frénétique en termes de flux. Mais est-ce que ça, cette dynamique, justement, du rapport de critique, encore une fois, un rapport intellectuel avec comment tu parles de cinéma et l'idée de créer une dynamique de flux pour peut-être dégager quelque chose sur la chaîne, ça il n'en parle pas non plus. Il ne me parle même pas de cinéma. Mais ça c'est un problème d'internet de façon générale, hein. Alors qu'est-ce qui vient casser les couilles sur le secteur du cinéma, hein? Mais bon, hein, on n'est plus à ça près. Il évoque les questions de vidéo essai. Bon, il se trouve que c'est amusant de voir qu'il en parle en certains termes, alors qu'il a fait aussi ce type de contenu avec ses vidéos sur l'Atlantide, le Roi Lion, Zootopia, bon, j'en passe, avec en plus des formulations qui reviennent un petit peu plus loin encore. Vous savez, les critiques de Karim Debbache, où il y a des résumés un peu humoristiques des films, bon, tout ça, c'est un petit peu gênant de vouloir faire la morale, alors que... On a quand même été dans le mood assez profondément, c'est-à-dire de parler de flux et qu'il faudrait faire autre chose, et que sur Twitter, il balance sa vidéo et juste en dessous, il y a le lien Tipeee, hein, parce que bien sûr, ça fait ramener des gens sur la page. Donc, moi, je ne peux pas prendre au sérieux des propos de quelqu'un qui se fout un peu de la gueule des gens. Aussi bien dans ce qui est dit, bon, il y a beaucoup de choses, étant donné que moi je suis un des plus vieux sur YouTube à parler de cinéma avec Mathieu Blom, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans la vidéo, pour moi c'est évidence même. Bon, des gens qui sont extérieurs à tout ça, ils peuvent peut-être trouver des choses intéressantes, voire une dynamique qui leur était inconnue, mais moi c'est juste une évidence, et j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage de ne pas pousser le bouchon plus loin, comme je vous le disais, à mener des gens à communiquer autour de qu'est-ce qu'ils ressentent de la création de YouTube, enfin de la création de leur chaîne sur YouTube. Des petits YouTubeurs, des moyens YouTubeurs et des gros YouTubeurs. Quelles sont leurs dynamiques de conflit vis-à-vis de la plateforme, vis-à-vis des gens? Moi j'avais vu un essai, vraiment un essai, hein, pour le coup, quelqu'un qui avait fait un rapport entre La Prisonnière du désert et Poltergeist. Et là, on sent que le mec, en plus, avec une mise en scène, un montage et tout ça. Donc moi, pour déjà la prise de risque et le propos que je n'avais jamais entendu formuler, ça mérite d'être vu, ça mérite d'être mis en avant sur des propos de cinéma. Là, il y a un effort intellectuel. C'est pas générer un flux. En influence, Bolchegeek évoque les émissions de Capture Mag, les opérations frissons avec le Dahan et ses grosses gueulantes. Pour moi, c'était plutôt Jean-Pierre Dionnet et aussi Laurent Weil sur Canal+, Cinésix, mais aussi l'émission qu'il y avait avant. Et il évoquait justement, Bolchegeek, que voilà, des gens comme Dahan ou comme l'équipe de Capture Mag, d'autres encore avant, l'ont influencé même dans la façon de parler de cinéma. Bon, moi, ce n'est pas pour autant que Dionnet ou d'autres m'ont poursuivi, m'ont influencé. Je me suis échappé en fait de ces influences, parce qu'après, ça donne quand même des drôles de bonhommes, hein, des gens qui caricaturent le phrasé de critiques qui ont été entendues ou vues à la télévision. C'est un petit peu gênant, surtout Dahan. Ça, c'est très gênant quand on a des gens qui... Je suis désolé, moi, j'aime beaucoup les chroniques du Daron. Je trouve que ses textes ou ses sujets sont agréables. Mais par contre, très mauvaise imitation de Daron. Et les quelques fois où il était en live, eh bien, justement, il avait moins ce daronisme. Et je trouvais que c'était beaucoup mieux. C'est-à-dire, c'est bien de se créer un personnage, mais il faut se créer son personnage, pas quelqu'un d'autre qui... Enfin, pas prendre la voix de quelqu'un d'autre.
Ça, c'est des mauvaises influences. Ça, c'est des influences qu'il faut fuir. Je préfère qu'on copie les propos de quelqu'un qu'on copie sa voix. Mais bon, l'idée d'influence, de gens comme ça qui avaient la formule facile, étant donné que les geeks sont... Et j'utilise le terme geek là, précisément dans sa valeur la plus méprisante, parce que là, c'est vraiment ça. Les geeks sont potentiellement des putains d'obsessionnels qui ont du mal à s'arracher à des gens. Donc ils sont passionnément bruyants autant que d'autres, là, que les gens comme Dahan, et pour après copier jusqu'à leur comportement vidéo. Ça, c'est quelque chose qui a été pendant... Ouais, les premières années de YouTube, il y a eu ça, il y a eu quelques personnes. Alors, je citais le Daron parce qu'il avait sa renommée à une certaine strate de YouTube. Mais il y en avait d'autres aussi, même avant lui, hein, il y en avait un autre qui a arrêté il y a bien longtemps, hein, mais il y en avait un autre aussi, je m'en souviens, et d'autres aussi, d'autres. Il y en a un, je crois, qui est encore en activité, mais je ne sais plus comment il s'appelle, il se ressemble tellement, c'est ça aussi, ça t'uniformise. En plus, c'est bien parce que quand ça t'uniformise et que tu repères tout de suite d'où ça vient, en fait, d'où l'influence, et tu sais tout de suite si tu vas aimer ou non. Ça, c'est peut-être ce qui est pratique avec les gens obsessionnels, c'est que quand ils commencent à copier les autres, tu le sais tout de suite et tu sais si tu vas aimer ou non. Ça donne un point de repère, pour le coup. Et ça donne aussi un point de repère éditorial. Si tu n'aimes pas la ligne éditoriale de Capture Mag, les gens qui en sont fortement influencés, tu le ressens tout de suite dans les... Vous savez, les miniatures. Les miniatures où il y a toujours les mêmes films qui sont en boucle, mis en boucle. Mais c'est un truc de malade mental, hein. Tu sais très bien que tu vas retrouver quelque chose pour toi ou non. Moi, par exemple, le cinématographeur, je vois les titres des films, c'est pas pour moi, quoi. C'est des trucs... Moi, j'ai fait le deuil de ces films-là il y a 10 ans. Maintenant, je cherche autre chose. Hein. Spider-Man, mais putain, laissez-le en paix. Allez voir autre chose. Mais qu'est-ce que c'est que ces nécromanciens, hein. C'est des nécromanciens. Les trucs, ils sont pas dans l'oubli, mais ils sont une plaque commémorative. Ils sont dans un joli cercueil, hein, voilà, avec des plaques dorées et tout ça. Les mecs, ils raisent les cadavres pour leur faire parler encore une fois. C'est vraiment comme Sam Raimi dans le deuxième Doctor Strange, hein. Les cadavres, ils sont bien en terre, hein, il y a de belles plantes par-dessus, et non, les mecs, ils font revenir les cadavres pour leur faire reparler encore une fois. Putain, ils peuvent pas laisser ces films tranquilles, hein, et nous faire voir autre chose. Il y a tellement de films qui sortent, et non, il faut revenir sur les mêmes trucs. Oh là là. Alors ça aussi, ça c'est une plaie, hein, sur le YouTube cinéma. Et encore une fois, parce que je l'ai fait, moi aussi. Là, j'ai reparlé de Twister. Faut aussi voir sur le flux général de la chaîne, c'est en globalité, c'est l'idée. Or comme moi, j'arrive à m'échapper plusieurs fois pour parler d'autre chose. C'est ça aussi, si tu vois que c'est que ça sur la chaîne, ben, tu te dis, il y a vraiment un problème. Alors on peut parler de nostalgie et par des geeks. Hein. C'est une façon de voir le cinéma qui est mortifère. Et moi j'ai eu un vrai coup de tonnerre. Quand j'étais revenu en Alsace, j'ai fait un peu le ménage dans ma chambre et j'ai ouvert mon classeur, un vieux classeur où j'avais encore des trucs qui datent d'il y a 15 ans. Et j'avais des vieux journaux de cinéma du cinéma L'Odyssée à Strasbourg. C'était un cinéma d'art et d'essai européen. Et j'ai consulté ces vieux magazines qui mettaient en avant les films qui étaient au cinéma, dans ce cinéma-là. Et je me rendais compte de tous les films et de tous les cycles, il y a tellement de films qui sortent et de tellement de pays, quelle demeurée nous sommes à rester dans une culture de toujours les mêmes films, alors qu'il y a tellement de trucs qui échappent à notre regard et qui pourraient nous plaire. Plus je consultais ces livrets et plus je me disais en mon fort intérieur, mais on passe tellement à côté de choses. Je dirais déjà moi, mais aussi tout le monde. Et quand on voit, je voyais page après page des films, j'en ai jamais entendu parler. Cycle chinois, cycle grec, cycle... Qu'est-ce qu'il y avait ? Cycle turc, parce que le précédent directeur de l'Odyssée, c'était un turc. Donc lui, il aimait bien trouver des films turcs et tout ça. Vietnamien, qu'est-ce qu'il y avait ? Cinéma australien. Il y avait tellement de choses. Et des films, j'en ai jamais entendu parler. Jamais ! Et quand on voit l'influence qu'on peut avoir sur YouTube, on se dit, on passe à côté d'une vocation pour l'art.
Sauf que là, les gens, c'est de la vocation pour de l'argent. C'est pas de la vocation pour l'art. Des gens qui parlent pas de cinéma. C'est des gens qui parlent de rien. Leur idée, c'est même plus de parler de cinéma. C'est de se mettre en avant, eux. Parce qu'ils savent que ça génère peut-être plus de clics que d'avoir un propos autour d'un film. Je pense qu'on est arrivé à un stade où les gens les plus influents font, on va dire, génèrent du clic sur leur apparence plutôt que sur un contenu intellectuel. Et ce conflit, cette dynamique de conflit entre l'apparence et l'intellect, bien sûr ça, dans la vidéo de Bolshegi, rien à foutre. Pas du tout une question qui l'intéressait. Hein. Alors que c'est le cœur du problème. Il disait d'ailleurs que le facecam était la méthode la plus simple. Ah bah non, excusez-moi, mais la facecam n'est pas la méthode la plus simple. Hein. Il a oublié l'évidence même du no-cam, c'est-à-dire on met une image et il y a la voix derrière. Et il faut pas me dire qu'à l'époque, les gens allumaient, éteignaient et envoyaient directement sur le web leurs vidéos. Hein. Non, ils faisaient leur mini-générique et tout ça. Donc ils avaient de quoi faire un montage rudimentaire. Le podcast, en effet, Luc, tu évoques le podcast, oui. Alors le facecam est venu parce que les mecs avaient vu qu'on pouvait pas mettre les extraits comme on voulait. Il y a une énorme dynamique qui s'est faite sur ça. Il y a plein de chaînes qui, j'en suis certain, auraient été différentes. Déjà la mienne, de base la mienne, si on avait eu des règles précises sur l'utilisation des extraits. On en aurait utilisé. Et il y aurait des chaînes qui seraient complètement différentes. Hein. Sûr, à 100%. Après, il rentre dans des dynamiques vis-à-vis de la personne influencée. Il dit à un moment dans la vidéo, on accorde une confiance à l'avis de la personne parce qu'on l'aime bien, parce qu'elle nous représente. Mais en quoi ? Parce que la facecam, c'est pas simplement représenter, enfin, avoir quelqu'un qui nous représente, mais c'est aussi, bah, malheureusement, hein, et les femmes le savent bien, c'est être jugé très sévèrement sur le physique, sur le comportement. Ne pas du tout adhérer, mais aussi sur le principe général, sans prendre en compte cam ou pas cam, la qualité vidéo qu'on peut aussi reprocher, pour après dénigrer éventuellement les avis. Puis, bon, il n'évoque pas du tout le fait qu'on ne puisse pas mettre les images en avant. Hein. Encore une fois, les problèmes de droit d'auteur, ça... Sûrement qu'il ne voulait pas se mettre en porte-à-faux avec YouTube, donc il n'a absolument pas évoqué le problème. Donc, en fait, il met sous le tapis les problèmes les plus importants quand il s'agit de faire de la création de contenu sur le cinéma, sur YouTube. C'est quand même incroyable, hein. Je pense que le bon critique d'actualité cinéma doit faire un travail d'écrémage pour aiguiller au mieux le spectateur sur le choix des films qui sortent chaque semaine. Bah, il y a déjà, bonjour, le temps de voir tout ça pour après faire une technique d'écrémage. Donc ça te fait prendre du retard. Parce qu'il faut quand même que tu regardes tout pour après faire la sélection. Or, quelqu'un qui n'est pas un critique professionnel, ben, il va voir les films comme tout le monde et il va prendre du retard sur, après, le temps d'aiguiller, de créer les textes, de créer les vidéos. Or, justement, je pense que les gens qui ne font pas d'écrémage, ben, ils regardent tout à la suite et ils font les vidéos à la suite. Il n'y a pas d'écrémage, mais au moins, il y a tout. Et avec, bien sûr, des avis qui sont très, 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 très rapides, malheureusement. Mais s'ils devaient faire une technique d'écrémage, ben, il y aurait du temps pour le faire. Et ça, du temps, si ce sont des gens en flux tendu, ils peuvent pas se le permettre. C'est pour ça que moi, je trouve que Bréheret a un très très beau courage de faire autant de vidéos sur la semaine sans faire de l'écrémage, pour le coup. Enfin, il fait au maximum de ce qu'il peut, mais il a un petit avantage, c'est qu'il travaille comme projectionniste, il me semble, hein, si je me trompe pas. Donc ça lui donne un petit avantage pour le faire, mais très peu de gens peuvent se le permettre, pas à cette échelle-là. Alors Martialus Wallace, tu évoques les vignettes putaclic pour faire le buzz et zéro contenu à raconter. Oui, alors les vignettes, ça c'est encore tout un beans. C'est attraper l'internaute comme ça par le col avec un titre provoquant. Je pense que Mérège doit être le meilleur de la catégorie. mais c'est de la provocation. Est-ce qu'on aime la provocation ou est-ce qu'on veut être honnête? La question... Surtout que c'est souvent un titre qui est différent du titre de la vidéo. Donc t'as une information sur la miniature que tu n'as pas dans le titre de la vidéo. Des fois, une information qui est contradictoire. Donc ça crée un conflit que tu as envie de voir résolu dans la vidéo. Donc tu cliques sur la vidéo. Mais ça, c'est des techniques de désespéré. C'est un acte désespéré de faire ça. Des gens qui sont sûrs de leur contenu n'ont même pas à le faire. Je crois qu'il n'évoque même pas ces dynamiques dans la vidéo.
bolchevique. Forcément, combien de gens sont confinés dans leur petit confort dès que voilà, le critique va peut-être un petit peu effriter les quelques plaisirs qu'a la personne sur cette terre, c'est-à-dire un film, le retour va être assez violent, sans même être argumenté, parce que là, c'est l'émotion qui parle. Et bah là, justement, c'est pour ça aussi que ces personnes de flux ne créent pas forcément beaucoup de vagues sur des avis, sur... ou alors c'est toujours les fameux mea culpa, ou le... vous savez, non, pas les mea culpa, mais les attentions en début de vidéo. Attention, ça va peut-être lâcher. Non, non, mais t'as même pas à mettre ça. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui prennent des pincettes? Les gens qui les critiquent n'en prennent pas, alors pourquoi ils devraient en prendre? C'est là où la démarche de Mérège, je trouve que c'est, même si c'est ultra maladroit, je pense, c'est plutôt honnête. Alors, il envoie la pâtée, alors bon, il joue sur l'ambiguïté, sur la miniature quand on clique dessus, bon, ok, c'est la façon d'attirer la personne, mais après, quand il en parle, bah, il envoie la purée ou non, quoi. Je pense aussi, je l'ai déjà évoqué, que ce bolchevique évacue les questions, des connaissances mises à rude épreuve contre les gens qui n'en ont pas et qui font des audiences assez importantes, en parlant de combat pour le bout de gras. Mais je crois que c'est vraiment là le cœur du problème. L'influence intellectuelle amène les gens à éduquer leurs putains de neurones. Ce n'est pas un combat noble et important, ça, dans l'art et la culture? C'est un truc important d'essayer d'élever le niveau de ta sensibilité, de ton questionnement aux émotions, à la manipulation, parce que le cinéma, c'est aussi de la manipulation. C'est de l'influence intellectuelle. C'est de l'influence pour te faire monter intellectuellement ton rapport au film. Il ne s'agit pas de déchanter les gens sur les films, mais de les amener à penser plus loin. Élever le niveau de langage, oui, élever le niveau d'intelligence émotionnelle. Parce que ça aussi, le cinéma, quand on le questionne, on questionne notre intelligence émotionnelle à voir les relations humaines, à voir comment elles sont mises en scène, à vivre plus de choses que peut-être on peut vivre dans la vraie vie. C'est ça, en fait, dont on parle. Et bien sûr, ça, il l'évoque absolument pas. C'est pas important pour lui, hein. Oh là là, la question de l'influence intellectuelle, émotionnelle, dans la façon dont on parle de l'art et de la culture, c'est pas du tout une question pour lui. Oh là, bolchevique, hein, donc c'est sûrement des trucs de geek où on se pose pas ces questions, alors qu'on devrait aussi se les poser pour les films les plus matraqués. On se le pose bien pour Avatar. Je vois déjà les gens à faire des papiers gigantesques sur le rapport émotionnel à la planète et tout ça. Bah pourquoi on le ferait pas autrement? Non, parce que oh là là, logique de flux, matraquage... Mais on n'a pas le droit de se le poser pour d'autres. Parce que c'est considéré, voilà, faire trop d'intellectualisme en mode élite, universitaire, non! C'est la même question pour tout! Mais sauf que bah, ça nécessite du temps, ça nécessite de l'intelligence, ça nécessite de mettre tout ça à profit pour créer une dynamique de dialogue, ou un texte, ou un podcast... Ça prend du temps, tout ça. Est-ce que les gens veulent en prendre? Ah, pas tout le monde, ça c'est sûr. C'est sûr que s'ils passaient moins de temps à faire des citations à la Mister Mea entre chaque intervention, il aurait peut-être commencé un début de réponse dans sa vidéo, mais ce n'est pas le cas. Ah, par contre, je suis d'accord quand il dit qu'on s'engage sur une chaîne pour la personne plus que pour le propos, dans une majorité, j'entends par là, majorité d'utilisateurs. Mais... bon, sans blague, en 2014, je m'en étais déjà rendu compte, hein, avec la Karim Debbache, notamment. Mais ça, pour les petits youtubeurs, c'est peut-être le cas. Mais pour les adultes, ils viennent voir des propos, et non des personnes. Au bout de plusieurs années, oui, on a une affection pour la personne. Une infection. Une affection pour la personne. Mais au départ, non, on cherche des propos, on cherche des types de films. C'est le cas pour les plus petits qui veulent s'identifier, oui, certainement. Il ne fait pas non plus la distinction entre la critique et la vie. Mais certains en ont fait des distinctions, certains ont renommé leur chaîne par rapport à, justement, ces deux dynamiques qui sont différentes. Et puis, quel est le ratio entre les gens qui font du flux, qui fonctionnent, et les autres? Parce que là, ils parlent de générer, voilà, un filon, créer du flux... voilà, faire monter la puissance médiatique de la vidéo. Et les autres alors? On est peut-être à 1 sur 20. Il y en a un qui est content parce qu'on parle de son cas de figure dans la vidéo, et les 19 autres, qui continuent des fois même à faire des vidéos, il n'en parle pas. Et les gens qui font des lives,
tous les gens qui les méga max et tout ça, et tous ces gens que je vois en flux de live qui parlent de cinéma, et même des fois même sur Twitch, ils n'en parlent pas. J'espère qu'ils se revendiquent pas du peuple, là, parce que là, sur YouTube, on y est très très loin. Ah oui, il y a un truc qu'il a dit, mais c'est tellement faux. C'est tellement faux. Mais c'est, je pense, c'est un des trucs les plus faux de toute sa vidéo, hein. Il parle sur le sujet des critiques et son industrialisation. Il dit « C'est pas la faute du créateur ». Ben, un peu aussi quand même, hein. Parce qu'il considère qu'on va tous tendre à cette production. Enfin, forcément, on est tous des requins. On est tous éduqués pour être des requins et à chercher les flouzes, la money, l'oseille. Ah ben oui, on va tous aller dans ce sens-là. Ben non. Il y a des gens peut-être, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des gens intègres qui ne veulent pas profiter du système. Ou on va dire, faire peut-être une vidéo dans le mois qui est un truc un peu putaclic et le reste c'est un peu volage, c'est faire ce qu'il veut. Mais il y a des gens qui n'en ont rien à foutre du flux, ils en ont rien à foutre de ça, ça existe. Moi je l'ai bien fait à un moment, les trucs pour essayer d'attirer les gens et ça a marché. Bon, ça a marché à moitié, hein. Mais les vidéos sur le sexe... sur les films de pirates. Je crois qu'il y en a une qui est ban d'ailleurs, mais je ne sais même plus. Mais après, je n'ai pas enchaîné avec que des trucs plus techniques. Mais ça existe, des gens intègres, des gens qui n'en ont rien à foutre. C'est pas la faute du créateur. C'est le créateur, il choisit ou non de générer un flux ou non. Mais sa vidéo n'est pas supprimée par YouTube parce qu'il n'a pas géré de flux. À un moment, quand YouTube dira... vous ne générez pas un flux assez tendu, donc vos vidéos vont disparaître. Là, on sera arrivé sur un truc où on pourra vraiment dire c'est pas la faute du créateur, c'est la faute de la plateforme. Ça, on pourra le dire, parce que ça poussera le créateur à créer des contenus pour pas que sa chaîne disparaisse. Ça, on est d'accord. Mais là, y a pas ce souci-là. On fait ce qu'on veut. C'est la faute du créateur de se mettre dans un état de création qui... épouse les conditions de médiatisation de YouTube. C'est la faute du créateur. Plus je lis mes notes, mais plus je me dis, mais ce mec, il connaît rien. Rien. Mais c'est ouf. C'est hallucinant. Il revient dans sa vidéo sur différentes formules qu'on voit majoritairement hein, sur YouTube. Il parle de la review. Bon, la review, c'est pas forcément ce qu'il évoque, mais bon. C'est pas grave, hein. Vous savez ce que j'en pense, hein, ça existe toujours d'ailleurs ces trucs, parce que bon, la review en termes de jeux vidéo, c'est pas on refait le jeu, non, c'est une véritable critique, là où ce qu'il entend lui par review, c'est on revoit le film avec des petits commentaires et tout ça, à la deux bâches quoi, à la deux bâches, vous savez ce que j'en pense, pour moi c'est de la grosse daube. Mais ça existe toujours, il y a des gens qui continuent à en faire, ne serait-ce que les trucs, vous savez, la suite de trop, je sais plus quel machin, enfin des trucs de nanar souvent. Je pense maintenant à Guillaume Cassard, qui fait aussi une formulation de cet ordre-là. Il met plein de petits extraits dans sa vidéo pour un plus ou moins appuyer ses propos. Une reprise de Mr. Mea que je trouve un peu gênant, étant donné que Mr. Mea lui-même a une formulation qui est limitée sur la création de vidéos. C'est un concours d'anecdotes, hein, presque, de son côté. C'est bien de suivre les making-of, mais bon, ça, c'est pas ça qui va donner de la valeur au film, quoi. Ça explique des choses, mais ça ne donne pas plus de valeur que ça. Ça, c'est aussi un problème de base, hein, quand on fait de la critique, quand on parle de cinéma. Il évoque aussi la question de Starship Troopers, très étonnamment, mais parce que ça, c'est intéressant, mais encore une fois, il y a la logique d'arriver trop tard. Les gens arrivent trop tard pour en parler en faisant presque la fausse découverte du sens caché. Durandal est le champion toute catégorie de ce côté-là avec Matrix. Hein. Il croit avoir révolutionné quelque chose, avoir trouvé un grand sens caché, alors qu'en 2008, voire avant encore, bien plus tôt, il y avait déjà des papiers qui circulaient sur le web ou même des livres qui ont été écrits très pertinents en rapport avec la couleur, la symbolique, tout ça. Des livres ont été entre-temps publiés et lui, tout d'un coup, presque comme s'il se donnait le défi de rien avoir vu que simplement les films,
je trouve ça un petit peu maladroit, et malheureusement il y a beaucoup de gens qui te font cette dynamique là. On en revient à l'idée de vidéo essai, et là c'est encore n'importe quoi. Pourquoi ils parlent de la nostalgia chic? Tu sais pas pourquoi. Alors que des vidéos essais existaient bien avant, le Nerd Writer avait commencé des essais plus de 3 ans avant elle. Je pense que y a un problème aussi de recherche sur ce niveau-là. Je crois qu'il y avait aussi d'autres chaînes assez anciennes. Mais vers 2014-2015, ça a commencé à se bousculer au portillon en termes d'essais vidéo. Certaines chaînes d'ailleurs ont été arrêtées. Moi, je pense à une chaîne qui s'appelait, si je me trompe pas, Eddie Donc, ou un nom comme ça, qui était une chaîne extrêmement prometteuse, qui avait fait des vidéos très 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 intéressantes et bien faites, mais vraiment bien faites, mais sur l'ordre vraiment de l'information et d'essayer d'exposer une question et d'y répondre. C'est très très bien, mais la personne a complètement arrêté les vidéos, et c'est vraiment dommage, parce que ça aurait pu être une chaîne de vraiment de qualité, de haute qualité. Mais bon, les chaînes arrêtent, hein, c'est normal. J'en reviens encore une fois à cette idée d'intellect, hein, parce que bien sûr, il n'en avait pas terminé, moi j'en ai pas terminé non plus, semble-t-il. Je pense qu'il a un vrai problème avec l'idée d'utiliser son intelligence. À un moment, justement, il parle des vidéos-essais qui se la pèteraient. C'est-à-dire des vidéos-essais qui formuleraient des choses qui ne seraient pas compréhensibles, qui seraient de l'ordre de questionnements qui iraient bien au-delà de ce que, pourrait imaginer un public populaire, hein, puisque je suppose qu'en tant que bolchevique, il doit être auprès du peuple. Donc dès que ça va un peu plus loin que le peuple, c'est se la pète, c'est avec une espèce d'extrait vidéo complètement ordurier. Mais on se pose tout simplement des questions. Juste des questions de fonctionnement, des questions d'émotion, des questions d'art. On parle d'art, putain! Et lui, je crois qu'il a un vrai problème avec ça, avec l'idée de parler d'art. Lui, ça lui échappe complètement. Hein. Alors des fois, oui, c'est dur de suivre. Bah, parce qu'on n'a pas forcément les codes, qu'on manque de connaissances, mais qu'on peut acquérir. Surtout si la personne en face nous tend la main pour nous les donner. Moi, des fois, il y a des choses... Je comprends rien du tout à ce qui est dit sur Microciné, puisque là, Samir, je te voyais sur le chat, bonsoir à toi. Il y a des trucs, je comprends rien du tout, mais... Je sens que je peux avoir ces connaissances, je peux acquérir ces connaissances, je peux voir ces films pour comprendre de quoi il s'agit. Je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas se poser des questions sur le cinéma, tout simplement. Il n'en a rien à foutre. Je ne peux pas imaginer, à ce stade de la vidéo où j'en étais, je ne peux pas imaginer que cette personne aimait le cinéma. Je pense que c'est quelqu'un qui adore se poser des questions de nerd. Enfin, ça donne des clichés, tout simplement. Ça donne le cliché du pompeux élitiste qui fait sa vidéo essai, et ça donne le cliché du mec populaire qui veut pas se poser de questions et qui fait un doigt d'honneur à ce qu'il ne peut pas comprendre. Et ça, c'est insupportable. Et précisément, en parlant d'art, on peut parler aux deux. Mais bien sûr, quand il y en a un qui fait pas un effort... Bah, l'autre, il va pas faire l'enflux pour lui tendre la main. Il lui tend la main en disant « on va parler de Michael Haneke », et l'autre, il lui crache dans la main, et il dit « va te faire foutre ». Voilà ce qui se passe. En termes intellectuels, mais c'est terrible de émotionnel de voir ça, de voir une tête de mule comme ça balancer une vidéo pareille, sans même se poser la question, juste une simple question de se dire « on n'a pas les armes de base pour certains essais vidéo qui sont pointus ». Encore une fois, il ne se pose pas du tout la question du créateur. Que dalle ! L'idée de qualité de propos dans une vidéo ne l'effleure même pas. L'idée de la compétence de propos ne l'effleure même pas. L'essai vidéo est un discours d'adulte et réfléchi sur l'art. Et je dis l'art, mais ça peut être une vidéo essai sur n'importe quoi. Il y a des chaînes YouTube qui font des essais sur de la politique, de l'histoire... sur la présentation de villes. J'ai vu ça à un moment, une chaîne YouTube qui fait que des présentations de villes sous forme de vidéos très élégantes où on évoque justement l'histoire de la ville, ses attraits, est-ce qu'il fait bon d'y vivre. Voilà, c'est aussi une vidéo essai, mais sur une forme un peu géographique, sociologique. La paléontologie, merci Luc, oui. Mais je pense que c'est quelqu'un qui aime les flux, en fait, qui n'aime pas se poser de plus de questions. Donc à ce moment-là... En fait, il y a beaucoup de choses dans ces vidéos qui sont à relativiser, mais total. Hein. Je pense que c'est clairement quelqu'un qui a un rejet total de universitaire, hein, dont il dresse un portrait caricatural, faux et populaire.
Mais a-t-il parlé à des universitaires dans sa tranche d'âge parlant de cinéma? Ah, ça je sais pas sûr. Et sur tous les gens que Samir a interviewés, il y a plein de gens qui ont fait un travail universitaire. Et pas du tout pédant, ou pompeux, pompant. Tout à fait compréhensible. Et certains ont sûrement l'âge, justement, du bolchevik. Un peu plus jeune, un peu plus vieux. Juste un exemple. Adrien Desnouettes, il a fait deux documentaires formidables sur Jim Carrey et Brad Pitt. C'est un conférencier. C'est un mec qui donne des cours à l'université. Et c'est quelqu'un dont je comprends les démarches de se poser des questions sur ces deux acteurs, Brad Pitt et Jim Carrey. Benjamin Thomas, que j'ai eu en cours, qui est un mec, je suis formidable. Et c'est pas du tout compliqué de comprendre ce qu'il dit. Et justement, si on comprend pas, on pouvait lui poser la question et il nous l'explique. Qu'est-ce que c'est que c'est encore une fois, c'est de la croyance populaire, c'est de la légende urbaine. Voilà, l'universitaire caricatural, c'est de la légende urbaine. Or peut-être que ces caricatures d'universitaires, c'est une certaine génération, mais c'est terminé, hein, les mecs qui ronflant et tout ça, dans les films, dans les vieux films, on a, vous savez, les vieux collèges londoniens avec les vieux profs de chimie chiants et tout ça. Et ça, c'est des clichés des années 80, hein. Faut oublier ça, maintenant, on va à l'université. Déjà, à l'université, il y a des profs qui étaient très vieux et qui étaient absolument passionnants. Michel Ciotta, un prof de cinéma, il faisait le show, les salles étaient bondées à chaque fois, et pas que des gens de cinéma, d'autres personnes venaient l'écouter, hein. Et des plus jeunes qui embrassent une carrière universitaire dont on comprend totalement les propos. Mais je pense que le truc, c'est tout simplement que c'est que générationnel. Prendre de haut, c'est souvent une affaire de génération, hein. Mais quand on se pose la question, justement, est-ce que c'est un problème générationnel? Eh bien là, on se rend compte que oui, c'est le cas. Parce qu'après, il y a une scission et la façon dont on parle des choses quand on est une génération d'universitaires plus jeunes, c'est pas la même chose. Sauf qu'encore une fois, est-ce qu'il se pose des questions? Non! Mais bon, comme souvent, hein, tout le monde y va de sa petite définition de voir, d'entendre, et tiens, curieusement, je ne suis pas d'accord avec la définition donnée dans la vidéo. Alors, je me demande d'où ça vient. Il part sur un principe de vidéo avec un discours trop intello, trop inaccessible, mais donne-nous un exemple. Parce que là, je vois même pas de quoi il parle. Ah non, il peut pas, il veut pas. Parce que ça amènerait à... potentiellement amener sa communauté à attaquer la personne qui a fait la vidéo. Voilà, la vidéo soi-disante, trop intello, trop inaccessible et tout ça. Mais donc, ces vidéos de propos intello ou inaccessibles, je sais même pas de quoi il parle. Donc, il parle dans le vide à propos d'un soi-disant contenu trop intellectuel pour lui qu'on ne verra jamais. Donc, en gros, il parle de fantômes qui n'existent pas. Voilà. À ce niveau-là de la vidéo, je me suis dit, dans quoi on va encore pouvoir rentrer pour s'enfoncer davantage? Eh bien, il a réussi à aller encore plus loin dans sa bêtise. Il parle d'homogénéité des profils. Pardon? Non, mais il a fait aucune recherche. C'était pas possible, l'homogénéité des profils. Alors, il balance comme ça pour se dédouaner et vite passer à autre chose. Il balance l'extrait de Elvis... avec le fils du mec de country qui dit « Il est blanc ». Je doute que ça change quoi que ce soit la couleur de peau du créateur. Il y a des... je vois même pas que la personne soit blanche, noire ou japonaise ou quoi que ce soit. Quand on fait du flux, il y aura aucune distinction, hein. Donc ça, c'est de la connerie. Et puis, encore une fois, tu te dresses sur quoi? Que tu vas avoir une homogénéité dans les facecams? Où tu vas avoir une homogénéité dans le contenu, parce que faut pas oublier que là on parle d'art, c'est le contenu qui est le plus important. Faut pas oublier notre objectif, c'est de faire de l'influence culturelle. Qu'elle soit un niveau de matraquage, pas du front, c'est-à-dire parler des gros machins de la semaine, c'est parler de culture aussi, hein, mais c'est juste la culture la plus matraquée. Ça n'a rien à voir avec être couleur de peau, tout ça. Si on pouvait imaginer que la personne qui est, mexicaine, elle nous fasse découvrir des films de son pays, ah, peut-être bien. Mais là, on n'en vient pas à l'idée d'être de tel pays ou d'avoir telle couleur de peau. On en revient, encore une fois, aux volontés personnelles, individuelles du créateur. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Est-ce qu'elle a envie de faire un contenu qui lui est propre, défini, par rapport à son éducation, par rapport à son pays? Et puis encore, il y a l'idée de, tu as beau être, je reprends l'exemple, être mexicain,
Faut-il encore arriver à trouver les films, à part aller en cinéma, au cinéma pour les voir directement? Mais puisqu'on est sur Internet et que c'est quelque chose qui traverse le monde, ben parler de films très isolés, est-ce que ça va intéresser des gens? Est-ce que là, du coup, la personne veut faire un effort de parler du cinéma de son pays ou du cinéma de sa région ou du documentaire qui a été tourné dans sa région plutôt que de parler des gros machins qui sortent? Ben là, c'est la résistance, encore une fois, du créateur, la faute du créateur, la volonté du créateur par rapport à une logique de flux. Est-ce qu'il parle pas plutôt de l'homogénéité des recommandations YouTube sur les profils similaires? Alors ça, étant donné que ni moi ni lui, on est dans le système de recommandations YouTube et on sait pas comment ça fonctionne, je pense pas qu'il parlait de ça. Je pense qu'il parlait directement des profils tout venant de façon générale. Il dit qu'on perdrait le sens, l'histoire et la pertinence du cinéma. À uniformiser, vous voyez... oui, mais... Ce n'est pas à cause de YouTube, c'est à cause de l'incompétence, c'est les autres qui ne veulent pas en foutre une. Bon, après, il y a quelques lieux communs, voilà, mais personne en adoration vis-à-vis de Every Frame a Painting, bon, ça s'est tassé depuis, hein, à un moment, on cherche d'autres choses. Il y a d'autres choses qui ont émergé, qui sont tout aussi bien aussi. Hein. Il y avait déjà des gens qui avaient fait aussi des vidéos essais sur le cinéma avant, hein. Patrick H. Willems, là, en avait fait avant, Nerdwriter en avait fait avant, sûrement d'autres aussi que je ne connais pas. Bon, après, c'est des lieux communs, justement, puisque lui, il pense jamais, eh bien, il dit des banalités. Il dit, il faut faire des recherches pour faire de meilleures vidéos. No shit, Sherlock! Voilà, j'ai envie de dire, je m'avoue vaincu, quoi, parce que ça tombe sous le sens, en fait. Mais puisque lui, il a jamais fait d'effort intellectuel, bah oui, bah là, lui, oh là, c'est important, il faut le dire. Non, mais ça tombe sous le sens, quoi. Bon, après, il y a Mr. Fox qui intervient pour nous ranger des vidéos dans des catégories alors que c'est pas vraiment le sujet. Alors, est-ce que tu parles de vidéos ciné de YouTube cinéma? Ah non, non, c'est carrément hors sujet. Le mec, il parle sur des trucs, sur les jeux vidéo et tout ça, mais... Et ça veut dire ce que ça veut dire, en fait. Mr. Fox avait fait un sujet à part. Il a pas fait un module explicitement, parce que Mr. Fox est aussi là depuis très longtemps, il a pas fait un module explicitement sur le YouTube cinéma, qui a des dynamiques complètement différentes du YouTube gaming. Du YouTube review de gaming. Alors oui, je suis d'accord avec lui quand il dit que la population a vieilli et du coup, il y a une population plus vieille qui regarde YouTube. Oui, parce que c'est voilà, ça commence à être plus vieux, mais de toute façon, ça se fera rattraper parce que les gens qui sont sur TikTok, ils vont aussi revenir à un moment à quelque chose de plus ancien. Et puis YouTube est maintenant vraiment très ancré dans la culture et dans notre utilisation quotidienne. Mais après... Ce qu'il dit là, je crois que c'est Mr. Fox qui le dit. C'est surtout pas ce qu'il faut faire. YouTube a deux catégories, flux et catalogue. Et le flux s'est barré sur d'autres sites. Alors, faisons tous du catalogue. Et on revient sur cette même situation sclérosée, selon eux, bien sûr. Et puis bon, vous croyez que ça va changer quoi que ce soit? Quand même le mec qui a fait la vidéo... a fait exactement ce qu'il reproche. Bon, autocritique vite fait, hein, parce qu'il voit bien que ça l'arrange pas, donc il passe dessus avec une petite blagounette. Ça fait plaisir. Non, c'est juste une vidéo, pour faire le buzz, pour être retweeté, par des gens du milieu de YouTube Ciné. Voilà, avec quelques constats en retard. Ça ne fera pas avancer les choses. En gros, c'est une vidéo qui est complètement vaine. Et bon bah, ça reste aussi une vidéo un peu de bourgeois, hein. Encore une fois, c'est une vidéo de tour d'ivoire, hein. Voilà, c'est la vidéo de bourgeoisie YouTube qui se reproduit qu'entre elles, avec les commentaires de Blast, et on fait un feat. Les laissés pour compte n'existent pas dans cette vidéo. Et les laissés pour compte, je devrais même pas le formuler comme ça. Parce que les laissés pour compte supposeraient que ce sont des gens qui attendent d'être dans un moment, dans un filon. Or c'est même pas le cas. Les gens qui ne pensent pas à faire des mille et des mille, ils ne sont même pas dans cette vidéo. Alors, à un moment, il s'en est bien rendu compte et il a fait une petite playlist où il évoque quelques personnes. 21 chaînes, alors qu'il y en a beaucoup plus, mais quand on prend un peu de temps, on le trouve. Trop peu de chaînes sur le cinéma. Et j'entends bien sur le cinéma, parce que là, il y a beaucoup de chaînes sur la pop culture. Alors là, oh oh, il y a du monde, hein. Mais tout le reste... qu'est-ce que c'est décevant. Alors, on pourrait tout de suite me dire, mais pourquoi tu ferais pas un truc
Moi, là, qui suis là depuis 10 ans, pourquoi je ferais pas un état des lieux sur le YouTube ciné? Oh, je suis pas Robin des Bois, moi. Je suis juste un vieil ermite, dans sa grotte, qui de temps en temps sort pour voir le monde, se rend compte que c'est de la merde, que les gens sont cons, et je re-rentre dans ma grotte, c'est tout. Et je termine sur un truc, mais... Comment Arte est passé d'une chaîne chiante à de longs documentaires hyper tendance? C'est ce qu'il dit dans la vidéo. Et là, je me dis, bah, ok, voilà, quoi. Comment voulez-vous que je prenne au sérieux les propos d'une personne qui ne fait pas juste d'efforts, il ne fait aucun effort pour se renseigner au-delà de ces clichés qu'il véhicule, au-delà de légendes urbaines? Une vidéo de clichés sur des clichés, c'est-à-dire des choses trop vues, trop entendues et fainéantes. Il se permet à la fin de citer Bruce Lee avec une citation d'un extrait d'interview où Bruce Lee dit « Be water ». Sauf que qu'est-ce que c'est que l'eau? C'est un flux. Donc, merci de nous faire revenir à la case départ. J'allais dire Bolter Geek. Bolche Geek, mais c'est très faible pour le temps qui a été donné à faire cette vidéo. Ça ne fait pas avancer le schmilblick. Ça ne met pas le doigt là où ça fait mal. Et c'est se foutre de la gueule de gens qui font des vidéos sur YouTube parlant de cinéma. J'ai terminé avec mes notes. Mais l'image que véhiculait la chaîne, à quel moment elle serait chiante? Encore une fois, c'est hors de propos. Excuse-moi, bonjour, c'est un putain de jugement de valeur, hein. Mais genre gros comme une maison, hein. C'est juste que le contenu, à la vue de tout ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est clairement pas un contenu pour lui, en fait. Donc, chiante, oui, c'est sûr, lui, puisqu'il fait pas d'efforts. Oui, Arte, ça a toujours été chiant. Les gens qui faisaient un petit peu d'efforts, Arte a toujours été une chaîne de qualité. Oui, voilà. Donc, c'est un gamin. C'est resté un gamin, le mec. Le mec qui montre ses CD de Opération Frisson, là, dans une espèce de pochette tout content. C'est un gamin. Donc, forcément, un gamin, il veut pas se prendre le chou, je suppose. Donc, c'est un gamin qui fait une vidéo d'une heure pour nous parler de ce que c'est que YouTube Cinéma. Qu'est-ce que tu veux que... Comment tu veux prendre au sérieux les propos? C'est des perceptions de petits. Et c'est bien, bonjour, tu as mis le point sur la chose. Quand on était gamin, on trouvait pas Arte facile à appréhender. Oui, je suis d'accord, moi aussi. Sauf que tu dis pas qu'Arte c'est chiant à 30 ans. Tu dis que Arte a un contenu qui n'est pas facile d'accès si on n'est pas lié à une certaine culture ou qu'on n'est pas habitué à voir certains contenus. Tu dis ça quand t'as 30 ans. Tu dis pas « elle est chiante et maintenant elle est tendance ». Tu peux pas te permettre de dire ça. Et encore une fois, le mec est un influenceur à quoi? Plus de 100 000 abonnés. Le mec ne prend même pas les... Ne fait pas attention aux termes qu'il utilise. Le mec n'en a rien à foutre de communiquer avec son public. Rien à foutre. C'est désopilant. Je pense qu'il a mis du temps à écrire son texte. Et par moments, tu sens qu'il lâche prise sur ce qu'il avait à dire pour dire des débilités ou peut-être dire des choses qui lui semblent justes, mais avec un niveau de langage tellement bête que on peut vraiment prendre la mouche. Moi, je prends la mouche sur certaines choses. Alors que je suis sûr, si je l'avais en vocal et qu'on allait discuter sur les mêmes termes, il serait beaucoup mieux posé sans être aussi provocateur. Il aurait pu bien mieux poser certains termes vis-à-vis de l'effort intellectuel, de l'universitaire, de Arte ou tout ça. Mais là, voilà, là, moi, je me dis, non, mais il n'y aura personne pour sauver les meubles. Hein. Tout part à volo. Hein. Excuse-moi, bonjour, mais littéralement... comment Arte est passé de chaîne chiante à de longs documentaires hyper tendance, c'est ce qu'il dit dans la vidéo. C'est la phrase même. Donc, excuse-moi, ça c'est un jugement de valeur. Et puis encore une fois, tu peux échapper complètement à l'effort de faire de la communication comme l'a fait Arte. Moi j'ai pas attendu qu'Arte refasse sa communication pour m'intéresser à la chaîne. Hein. Je vais chercher les choses, encore une fois, faire un effort intellectuel. Et tout comme faire un effort intellectuel pour chercher du contenu sur YouTube qui vaut un peu plus que machin donne son avis sur le dernier film en date. Donc on est sur la même dynamique. Oui, Arte a fait des efforts pour Twitch, pour YouTube, mais le contenu était toujours intéressant, que ça soit avant ou maintenant. Et là, dans la phrase même, il parle vraiment du contenu. De chaîne chiante au contenu chiant à des documentaires. Donc encore une fois, contenu chiant à contenu tendance. Et il parle même pas. Tu sens que vraiment il y a un problème. En fait, il est omnibulé par le filon du flux. Hein. Il parle même pas de documentaire intéressant. Il dit de documentaire hyper tendance.
Le mec est matrixé, en fait. Oui, mais là, on en revient... Thomas, tu évoques l'idée de rendre accessible plus les choses. Oui, mais on en revient... Est-ce que les gens font un effort? Non, ils le font pas. Oui, je pense que Arte s'est rendu compte que les gens faisaient pas d'efforts, donc ils sont... Arte est allé vers les gens. Oui, mais ça, c'est encore une fois, c'est une grande défaite de l'intelligence humaine sur les logiques de flux et de système. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on aurait pu questionner. Mais il ne le fait pas, bien sûr. Par exemple, il aurait pu questionner sa propre démarche sur Twitter de faire sa vidéo, de la publier, et juste en dessous de faire un post réponse sur Twitter sur « N'hésitez pas à vous abonner à mon Tipeee ou je sais pas quoi, à me donner de l'argent. » Parce que les gens ne seraient même pas capables de le faire. Tellement les gens sont des fainéants. Mais ça, justement, encore une fois, questionner cette dynamique pour la création de chaînes sur... pour la création de vidéos sur le cinéma. Comment on doit tenir les béquilles des gens pour qu'ils aillent là où on veut qu'ils aillent. Les miniatures et tout ça, questionne à peine. Ou le mettre en valeur avec différents exemples. C'est une grande défaite. Le public ne veut même pas faire la démarche lui-même d'y aller. Il se laisse guider, comme les gars dans Wall-E, qui se laissent guider par des sièges automatiques plutôt qu'aller eux-mêmes chercher les choses. C'est ça la grande défaite, bonjour. C'est se laisser bercer dans un putain de flux. Comme l'eau, mais il a tellement mal choisi sa métaphore à la fin, celle de Bruce Lee. C'est tellement mal, c'est tellement mauvais en fait cette définition. Tu te laisses guider, voilà. Alors qu'il faut justement casser cette dynamique et forcer en fait, faire un barrage comme les castors et choisir soi-même d'aller vers les choses, de s'engager soi-même dans une dynamique de chercher les vidéos, d'aller sur les sites, plutôt que se laisser couler dans un espèce de flux d'infos et de trucs qui nous viennent tout de suite dans la bouche. C'est ça la grande défaite.